sterben, Not nicht sterben dann, soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihm und wenn er hält, wird wohl behalten bleiben. Hoch und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf war mein Herz es froh und verzagt. Und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich schalte ihm im Glaube still und hoff auf seinen Segen. Was er tut, ist immer gut, und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Bonjour. Bienvenue pour ce culte du dimanche 22 mars 2020. Alors bienvenue chacun chez soi, évidemment, mais en communion les uns avec les autres, grâce à la technologie. Alors, aujourd'hui, ce dimanche, 22 mars 2020, porte le nom, en tant que quatrième dimanche du temps du carême, le nom de Létharé. Rien à voir avec qui que ce soit parmi nous, non. Ça veut tout simplement dire « réjouissez-vous ». C'est pas forcément mieux. En ce moment, un peu compliqué de se réjouir. Alors j'ai, en préparant un petit peu ce culte, relu ce qu'on avait vécu il y a 2 ans, je suis retombé sur ça. À l'époque, j'avais demandé à Jean-Jacques, notre organiste préféré, chef de chœur préféré, voilà, notre préféré, le chouchou, je lui demandais comment ça va. Et alors, il me faisait une liste en disant, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas non plus. Et ça va pas. Et il y avait un paquet de trucs qui n'allaient pas. Et il terminait en disant, mais à part ça, ça va super. Mais ouais, réjouissons-nous parce que tout ne va pas aussi mal que ça. Alors je ne dis pas que la situation elle est géniale, non. Mais nous sommes quand même ensemble pour nous réjouir et pour chanter, pour louer Dieu. Et c'est ce qu'on va faire déjà avec le premier chant, deuxième, premier, peu importe. On chante. Célébrons le Seigneur notre Dieu et notre Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui suit
joie et la lumière. Quel beau chant. Parce que vous avez bien chanté, surtout pour ça. Alors pour la prière du jour, je vous propose d'entendre, de prier, tout d'abord celle du 21 mars dans le livre de prière des luthériens. Mon Dieu, chaque matin tu sépares le jour de la nuit, le petit matin de l'obscurité, l'hier et l'aujourd'hui. Mon Dieu, chaque matin tu sépares ainsi l'avenir du passé, tu sépares comme on ouvre une porte entre le dedans et le dehors. Et c'est par là que passe le jour nouveau, le jour d'aujourd'hui. Tout commence, alors tout est possible. Tout recommence, alors tout est possible. Bien que les visages portent un jour de plus, ils sont plus neufs qu'hier. Bien que les choses aient vieilli un peu plus, elles ont droit à un regard nouveau. Chacun a le droit de renaître aujourd'hui. Mon Dieu, merci de ce cadeau tout neuf. C'est peut-être bien aujourd'hui, le jour de ma renaissance, aujourd'hui que tout recommence. Mon Dieu, que dois-je faire de ce jour tout neuf ? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, nous lisons ceci. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Et voici ce que Dieu répond. « Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles ? Quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Alors si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin, aujourd'hui le prophète nous le rappelle, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient nos difficultés, nos errances, nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous dressons entre nous et les autres, entre nous et Dieu, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient nos peurs, nos faiblesses, quelles que soient nos ténèbres, nos hésitations, notre nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. Oui, sache-le, il faut que tu en aies conscience, tu es aimé de Dieu. Amen. Et là, je vous propose de tenter un canon. Alors, on va peut-être le faire quand même juste à l'unisson. Le canon de la JMP, gloire à Dieu. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Frère, gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Frère, gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, gloire soit au Saint-Esprit. Alors le texte proposé pour la méditation, pour le partage d'aujourd'hui, est également tiré du
du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, les versets 10 à 14, et j'en fais lecture. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Partagez sa gaieté, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délices la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur, je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur s'égayera. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs et sa fureur à ses ennemis. Amen. Et parce que c'est dimanche, nous chantons le prochain chant. Qu'est-ce que vous chantez bien? On devrait faire une chorale, se retrouver ensemble là et pas tout de suite, pas tout de suite, mais plus tard, pas de souci, on chantera de vive voix ensemble. Pour l'instant, la question du jour. Et la voici. Avez-vous remarqué que l'homme, le vrai, le dur à cuire, le mâle, quand il est en danger, cet homme-là, 9 fois sur 10, ou même plus, il appelle sa maman. Non, mais c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Je le fais moi-même. Dans le texte du prophète Ésaïe que nous avons entendu, il est question de l'amour de Dieu sous un angle dont on n'a pas forcément l'habitude, parce que nous, on a plus l'habitude de considérer Dieu comme un père aimant, le père de la parabole du fils prodigue,
le Père du Notre Père, le Père de Jésus, voilà. Et un peu moins comme ce Dieu qui nous aime d'un amour maternel. Et pourtant, c'est le cas. Dieu nous aime comme une maman aime son enfant. Et ça, c'est un truc de fou. Un truc de dingue. Un truc. Chercher dans le monde un amour plus fort que celui-là, à part l'amour de Dieu. Mais du point de vue humain, ou animal, ou peu importe, quel est l'amour qui surpasse celui d'une mère pour ses enfants ou son enfant? Parce que cet amour-là jaillit des entrailles, jaillit des tripes de la maman. Le bébé, il vient de là aussi. Son enfant, elle l'a porté pendant 9 mois. En elle, la maman. Il y a des mamans parmi vous, vous le savez mieux que moi. Voilà, moi j'ai vu ça dans des bouquins. Mais pourtant, c'est vrai. Cette maman, avec son enfant, même si ils sont distincts, il y a quand même une grande partie de commun. Cet amour-là est spécial parce que l'enfant est véritablement la chair de sa propre chair. Je pense que là, toutes les mamans diront exactement la même chose que moi. Et cet amour qui vient vraiment des tripes, des entrailles, Jésus l'a exprimé avec cette compassion quand il était ému aux entrailles pour la détresse de l'un ou de l'autre qu'il a rencontré. Cet amour-là déplace des montagnes. Cet amour-là est profondément tendresse. Il n'y a pas plus doux que les bras d'une maman. Cet amour-là console, on ne peut mieux. Ah, je me souviens, tous mes petits genoux écorchés étaient toujours, toujours, toujours guéris par maman. Et par du mercurochrome bien rouge aussi, c'est vrai. Mais c'est maman qui m'était, ou mamie. Mais mamie, c'était une maman. Aussi, c'était la maman de ma maman. Cet amour-là, l'amour maternel dont Dieu fait preuve à notre égard, est aussi un encouragement incroyable. Je vais encore parler de moi, forcément, puisqu'on n'a pas possibilité d'échanger plus que ça. Donc, vous êtes obligé d'écouter, ou alors vous zappez. Ne zappez pas. Donc, encouragement, par exemple pour moi, j'ai longtemps cherché ma voie, et puis on peut toujours encore changer de voie. Pendant tout ce temps où j'étais un petit peu paumé, ma maman, bien qu'elle, ça lui pesait terriblement, c'est clair, elle était quand même derrière moi, à m'encourager, à me soutenir, à m'emmener. Par exemple, un truc, quand j'ai failli m'engager dans l'armée, elle était absolument contre. Et pourtant, elle m'a emmené à Boux. La première fois de ma vie que je suis allé à Boux-sur-l'Aire, je crois que c'était même la seule fois avant des années, pour signer le truc. Ouais. Ses bras, tellement tendres, tellement protecteurs, ils sont aussi costauds, ils sont rassurants. Et c'est pour ça que n'importe quel caïd, lorsqu'il est en difficulté, il en appelle à sa maman. C'est parce que ces bras-là, vous ne pouvez pas les écarter pour prendre le bébé. C'est impossible. Cet amour est aussi don de soi. Et là, on retrouve entièrement notre Dieu qui se donne, vous connaissez par cœur Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le Dieu qui se donne, comme une maman se donne corps et âme pour son enfant. Alors, c'est un amour qui n'est pas non plus calculateur,
Ils ne cherchent pas un profit quelconque, un résultat, un gain pour lui-même. Aucune maman ne fera ça. Eh bien, Dieu non plus. Il ne nous aime pas parce que ça lui rapporte quelque chose, ou pour que ça lui rapporte quelque chose. Et c'est un amour aussi qui n'est pas calculé, ni calculateur, ni calculé. Calculé, c'est tout simple. Il surgit spontanément. Ça ne se force pas, ça ne se met pas en place. C'est comme ça. Quand le bébé est encore dans le ventre de sa maman, la maman l'aime déjà. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Le texte d'Ésaïe qu'on a entendu, un autre, le dit aussi, l'autre texte. Hein. Ça arrive que des mamans humaines n'aiment pas leur enfant pour X raisons et parfois des bonnes raisons. Hein. Ouais. Dieu, lui, il est parfait. Aucune maman humaine n'est parfaite, aucun papa non plus. Voilà. Cet amour-là, l'amour de Dieu, est un amour infaillible. Alors, un autre point intéressant dans notre texte, c'est qu'il ne s'agit plus simplement de l'enfant, mais de l'homme, ou un enfant sevré. Quand le bébé est encore si petit qu'il a besoin pour vivre vraiment physiquement de sa maman, alors oui, on peut comprendre la fusion, et puis à un moment, la vie fait que l'enfant grandit, il n'a plus besoin, il peut se débrouiller seul, etc. Et puis il devient un homme ou une femme, il devient adulte, j'aurais dû dire. Et même là, cet amour-là demeure. Ma maman restera ma maman et reste ma maman tout le temps. Vous, les mamans de vos enfants, vous êtes leur maman, peu importe. À quel moment ils en sont de leur vie. Mère un jour, mère toujours. Et pour Dieu, c'est pareil. Son amour est éternel. Il est infaillible, il est tendre, il est consolant, il est encourageant, il est rassurant, il est fidèle, il se donne sans compter, sans calculer. Est-ce que c'est pas formidable? Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, il peut le mettre en commentaire sous la vidéo. Allez, à bientôt. Enfin, à tout à l'heure. Là maintenant, on chante un chant qui dit aussi la même chose. Peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, l'amour de Dieu est toujours là. S'éloignerait quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancellerait, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera pas de toi.
s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Nous allons prier les uns avec et pour les autres et conclure cette intercession avec le Notre Père. Alors, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas, peu importe. J'ai gardé l'ancienne version, certains le savent, du Notre Père. Si vous avez choisi de prendre la nouvelle, il n'y a pas de souci pour moi. Moi, j'ai mes raisons d'avoir gardé l'ancienne. Voilà, j'espère que ça ne posera pas de souci pour vous. Et nous prions. Merci Seigneur de nous avoir permis de prendre ce temps, peu importe le lieu, peu importe l'instant. En toi, tout est éternité et instantanéité. Nous sommes réunis en communion spirituelle. Nous sommes réunis en fraternité, avec le souci les uns des autres. Dans cette période difficile où nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton soutien, de ton réconfort, de tes encouragements, de tes promesses, de ton amour. Nous te demandons de nous soutenir, de soutenir ce que nous aimons, de nous éviter la maladie, de nous éviter pire encore. Nous te demandons de poser ta main sur tous ceux qui sont soumis à la maladie, que ce soit le virus ou une autre maladie, tous ceux qui sont soumis à la solitude en ces temps particulièrement troublés ou d'habitude, tous ceux qui connaissent le deuil et en cette période, c'est encore plus difficile qu'autrement. Soit le réconfort de chacun, soit le soutien de chacun, que ta main paternelle et maternelle se pose sur tous tes enfants, que tu les serres dans tes bras, que tu nous serres dans tes bras, que tu nous nourrisses de ton esprit, de ta parole et de ta vie, que le lendemain chante à nouveau. Nous te remettons également toutes les personnes qui, face à cette situation, face à la maladie, face à la crise, sont encore actifs en première ligne pour que notre monde ne s'arrête pas, pour sauver des vies, pour permettre que la vie soit encore possible, que ce soit dans les hôpitaux, le personnel soignant, tous ceux qui travaillent d'une façon ou d'une autre au service de la santé, de notre santé, que ce soit dans les magasins, les grandes surfaces, avec les transports, avec aussi les pompiers, etc. Tous ceux qui sont des héros du quotidien et des héros tout particulièrement en ce moment. Soit leur courage, soit leur force, soit leur ténacité, protège-les et bénis-les tout particulièrement. Pour nous qui sommes tes enfants, parce que tu es notre Père et notre Mère en même temps, nous voulons te confier tout ce que nous avons sur le cœur avec les mots que notre frère Jésus le Christ nous a lui-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous êtes encore là? Alors,
Pas complètement dernier champ, mais presque. Et puis ensuite, on se retrouve pour s'envoyer chez soi. Ah, bon, vous y êtes déjà, pas grave, on fera quand même un truc. Mais maintenant, on chante. Il y a du talent. Maintenant, clairement, enfin, ça c'est Jean-Jacques qui le dira. Pour cette journée et pour la semaine et pour les temps compliqués dans lesquels nous sommes et pour notre vie tout entière, nous nous plaçons sous la bénédiction de Dieu. Et c'est très simple. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et à bientôt. Dernier chant. Les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent. Je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle.
car à chacun ton esprit me rappelle ton alliance éternelle, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas.